aider les agriculteurs? On en parlait depuis ce matin sur BFM TV. Y a-t-il des démarches à suivre? Alors, la patronne de la FNSEA, qui représente une grande majorité d'agriculteurs, a répondu à ça, Christiane Lambert. Elle explique qu'on peut tout simplement se rendre sur un site qui a été mis en ligne, qui s'appelle desbraspourtonassiette.com. On va peut-être voir l'adresse qui va s'afficher à l'écran. Desbraspourtonassiette, sur ce site, vous pouvez rechercher département par département, zone par zone, s'il y a des agriculteurs qui ont besoin en ce moment de main-d'œuvre. Si oui, vous pouvez proposer, rentrer en contact avec eux. Donc voilà, on voit l'adresse qui s'affiche, des bras pour ton assiette. Ça concerne aussi bien des travaux de plantation, de semis, de récolte de fruits et légumes, ou encore de conduite d'engins agricoles quand on est agréé. Tout ça, évidemment, il faut l'accompagner d'une attestation, une attestation prouvant qu'on va travailler, et ça rentre dans le cadre des consignes données par le gouvernement. Et